Bienveni nan fèt la bel. Mèm jan yon jounen fè plas a yon lot jounen, se konsa bon te gamet la renouvle pou nou chak jou. Lamentasyon 3, verset 23. Se aniversè nesansou, gen yon 5 ap fète jodi a tou. Nou invite ou vin fète avèk nou. Fête l'appel, c'est un programme capé des moun fêté anniversaire de Sansio. Nous réviser et présenter ça qui relè à géographie. Ça veut dire histoire la vie yon saint. Nous chercher connait qui moun saint atayé. Pour qui ça et comment il était vinn saint. Chaque jour nous présenter une histoire différente mais intéressante. En plus de ça, nous gagnons une rubrique qui est capable en quatre langues qui relaient en réfléchi. Nous pouvons finir. Nous enrichis en réfléchi avec une série blagues, histoires ou devinettes pour aider nous mettre du sel dans la vie. Nous. Pour aider nous comprendre, comparer et mener combat la vie. Ya. Jodia, c'est 21 janvier. Ou même qu'a fêté anniversaire naissance, nous profiter di ou bonne fête. Si ou connait yon moun k'ap fêté, fèl participer nan fête la belle pour fête li ka pi belle. C'est fête Sainte Agnès ak Notre-Dame d'Altagrâce. Santa Inés et Nuestra Señora de Alta Gracia. Nous souhaitons mon beau mot ak mon Marceline nan grandance. Bonne fête Saint Agnès. Et mon Delma ak mon Saint Louis du Sud. Bonne fête Notre-Dame d'Alta Grâce. Est-ce que nous te connais Saint Agnès, c'est un saint qui t'est mouri mardi à l'âge de 13 ans. À géographie Saint Agnès. Saint Agnès était fait dans l'année 290 dans une famille noble à Rome. Il était recevoir une éducation chrétienne solide. Un jour pendant qu'il était sorti de l'école, rencontre petit magistrat Villa qui te fait déclaration. Mais
Inestedil, li gen ta genyen yon lot menaj ki se Jezoukri. Li pat vle. Ti gason a te al di papal sa. Li denonse ti fia kom yon kretyen. E sou ren diyo kretyen, yo pat vle wè kretyen. Se kon sa yo te aretel. Yo te kondane Inès a mor. Yo te matirize l a 13 an nan ane 304. Tout moun tap kriye, men bourou yo. Li te fè sin de kwa avan l mouri, li te di, li pa pou fanse mari li ki se Jezoukri. Li te la priye, bese tèt li, et puis il était mort. À nous parler connait là de Notre-Dame d'Alta Grâce, Nuestra Señora de Alta Gracia. Notre-Dame d'Alta Grâce, c'est un autre nom la Vierge Marie, yo considéré comme maman et protectrice et spirituelle peuple dominicain. Surtout na vil Igwey ak Via Altagracia. D'après historien yo, fèt sa te komanse depi 12 mai 1502. Lè yo te pote imaj viej la na paroisse Salva Leon de Igwey. Lè Christophe Colomb te debake na peyi ya, se frè Trejo ki te pote viej la nan zon nan soti an espay, paske yo te wè viej la te paret devan yo sou yon gro pye bwa. Yo le sa Alta Gracia, sa vle di yon gras ki soti wo. Yo te kwe se yon gras ki te soti bien wo nan siel la. Gen kek historien ki di, fête officielle Notre-Dame d'Alta Grâce te commencé dans l'année 1691. Les batailles Sabana Real la t'a déroulé tout près Cap Haïtien. Côté l'armée espagnole la, Antonio Miniel t'a dirigé, te vainc l'armée française. Même là, Pagnol yo pat en pile du tout, yo te gagné parce que yo te invoqué la Vierge Alta Grâce. Mais qui Jean Vierge la te vini à République Dominicaine? John Fleury écrit un livre qui relait Historia de Nuestra Señora, la Virgen de la Alta Gracia. Côté lui expliquer croyance Vierge la pas doué chita sous superstition, mais sous une série données qui réelle. Monseigneur Juan Félix Pepin écrit une autre histoire qui est intéressante dans le livre qui relait Donde Floreció el Naranjo. Dans le livre, il racontait que un marchand de bétail qui aimait voyager en Espagne. Dans le livre, c'était Juan Elias Moscoso. Petit li te madel pou te pote yon ti stati la Vierge Alta Grâce kom kado pou li lèl soti nan voyaj la. Li te chache Vierge la tout patou an espay, men Vierge la pat existe. Papa te tris pou te retourne a République Dominicaine san kado pou deni ti petit fili ya. Pendant ta pase la nou et kay yon zami, l'étape plein de ça et puis qu'il y a un petit grand monde qui t'est venu passer nuit tout na kaela li di li te gagné vierge la pour lui. C'est comme ça li te bay messia yon penti vierge la. Na demain matin ti grand monde na te disparaît. C'est comme ça li te capable porter vierge Alta Gracia bay petite li.
Chaque 14 d'août, depuis le ça, tu as un groupe qui te connaît offrir ton bœuf à la Vierge, dans les grilles. Puis tu as vendu bœuf ça pour creuser l'église là. Mais tradition ça a disparu depuis 1691. Fête Alta Grâce vient tourner en fête internationale. L'été non seulement en République dominicaine, mais tout un grand peuple les fêtait dans le monde. Nous avons dit les fêtait New York, Florida et Porto Rico, côté une grande quantité dominicain. Les rivières tout en Haïti, nous fêtait le Delma, nous fêtait le Saint-Louis du Sud. Nous profitons saluer les amis dominicains qui vivent Porto Rico. Yo kembe flambo kilti dominikeyan bien ou na sakirele la Isla del Encanto. Nou wè se domen avèk Haiti pataje menm koutim religye e ap fete Notre-Dame d'Alta-Grâce. Nou souwete Vierge la fè grâce desan sou Haiti ki toujou an mal d'enfant, pardon, an mal de demokrasi. Malgré nos conditions, il est là.
À nous réfléchir. Jeudi à 20 janvier, c'est le jour président américain qui est lié dans la casa Joe Biden. C'est jour les prêter serment. Événement ça arrivé aux États-Unis chaque 4 ans. Mais année ça, activité officielle ça, fête yon gens différents parce que acteurs yon différents. C'est première fois prestation serment présidentielle la fête sous surveillance 25 000 soldats pour empêcher dérapage partisan président qui tape sorti là parce que ancien président pas jamais accepté les perdus. Ensuite, coronavirus fait que plus drapeau passer monde dans cérémonie parce que yo remplacé symboliquement chaque monde qui mourit avec un drapeau, comme un moyen pour songer 400 000 monde pandémie a poté aller. A plus, c'est la première fois qu'il y a une famille qui, lui-même, doublée de multiraciales, multiculturelles, y a un immigrant, y a une négresse, qui s'est mariée comme vice-président États-Unis d'Amérique. Ça qui pire encore, principal assistant, c'est une haïtienne qui réunit toutes caractéristiques ancien président pas vle ouais du tout. C'est première fois président cap sorti a pas gen élégance pour le relais et féliciter président Elia. Généralement, c'est une coutume pour candidat qui perdit a les candidats qui gagnent même jour élection pour le féliciter. Et c'est le ça candidat qui gagne t'a dû prononcer discours victoire. Ça qui pire d'accord, c'est première fois président Capsotia pas réuni avec président Elia pour le partager secret d'État. Et c'est première fois dans dernier moment président sortant pas assisté cérémonie prestation serment président Elia. Nous t'a dit pour le passer échappe là. Ça veut dire nous ouais bagaille grave n'a pays tonton Sam. Pourtant ici la vie continue malgré les difficultés. Tout président yo malgré différence yo gen, ces affaires pays y a réglé. Un point important nous devons souligner, c'est une note d'après une coutume, chaque président américain qui a sorti toujours écrit à la main et quitté sous bureau président qui est là. Nous avons révisé plusieurs dans la lettre saillot sorti de président Bush pour arriver dans président Trump. Nous remarquons plusieurs bagailles qui dit. Premièrement, président sortant a toujours exhorté président Elia pour souligner l'importance rôle privilégié président cela. Deuxièmement, président sortant même l'elle pas jamais fait tête li passer pour un conseiller pour président Elia, il est toujours été à la disposition pour s'il t'a besoin. Troisièmement, président sortant a suggéré président Elia pour le protéger sa qui pi faible pendant la fortifier institution yo ak pays a tout entier. C'est pas blague non? Est-ce que nous avons des leçons positives pour tirer dans ça? À nous réfléchir. Nous Nous sommes dans des histoires à la vie, on sait. Nous sommes réfléchis et nous sommes by blague. C'est comme ça nous devons fêter avec vous. Vous êtes capable de faire recherche tout sur l'information nous baouillons.
Nous-mêmes, tous, nous sommes capables de vivre saints, d'après 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Et puis, qui ça, ça t'a servi au monde pour gagner le monde entier, s'il plaît d'y namler. Marc 8, verset 36. Nous devons faire bien tout temps. Tout autant nous avons fait bien, mal pas qu'à triompher. Et chaque bien nous fait, c'est une marche en plus nous mettre dans l'échelle spirituelle non, pour nous capables de monter plus haut. Pas oublier pour nous vivre un bon chrétien, un bon haïtien et un bon citoyen du monde. Nous capables de filtrer ça n'a dit de l'an prochain nous, avec examen toi par soi philosophe Socrate. Premièrement, est-ce que ça n'a dit assez vrai? Deuxièmement, est-ce que c'est bien n'a dit de mon? Troisièmement, est-ce que ça n'a dit utile? Faites la belle à aider ou fêter, c'est grâce à The Gospel du PS Group qui offre plusieurs services à acoustique avec lettres noires en créole, en français, en anglais ou espagnol. Recherche à généalogique, family tree, pour les gens qui sont intéressés à connaître les ancêtres, racines qui côté au sorti. Troisièmement, nous faisons traduction de climat ou bien livre. Nous comptons sur générosité ou tout, sur donation pour nous capables de continuer à faire travail là. Travail qui est en pile et qui n'est pas trop facile. Pas oublier, consigne, abonner, remettre et partager. Subscribe, like and share. Pour participer avec nous pendant toute l'année. Si bon Dieu voulait, toujours contacter Fête la Belle pour faire tout capable plus belle. Écris-nous dans l'email ça. Faites la belle production @gmail.com. À chaque jour, suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Pas oublier, la vie pas facile. Nous devons lutter jusqu'au bout. À demain, si bon Dieu voulait.